Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Dans le livre de la jungle, il s'appelle Shark Khan. C'est un magnifique tigre du Bengale. Nous allons nous arrêter à la fois sur le tigre du Bengale, mais également sur le tigre blanc. Mais quelles sont les différences entre ces deux-là? La réponse à toutes ces questions, c'est maintenant avec Solène dans l'ABCDR des animaux. On la rejoint. Aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir, le tigre du Bengale, dont le nom scientifique est Panthera tigris, est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. Rivalisant avec le lion pour le statut du roi des animaux dans la culture traditionnelle, le tigre du Bengale est une figure emblématique représentant la férocité. Jusqu'au 19e siècle, sa réputation de mangeur d'hommes lui colle à la peau. Pourtant, parmi les animaux sauvages, ce ne sont généralement pas les tigres qui tuent le plus. Et pour cause, le tigre est très vite éduqué par sa maman pour éviter les êtres humains qui le persécutent. La fascination qu'il exerce par son charisme et sa place dans l'inconscient collectif en fait aujourd'hui l'une des espèces les plus braconnées de la planète. Le tigre aurait même disparu au cours du XXe siècle si la communauté scientifique mondiale n'avait tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, allons à la rencontre du tigre du Bengale, mais également du tigre blanc. Mais d'ailleurs, sont-ils vraiment si différents l'un de l'autre? T'es comme tigre du Bengale et tigre blanc. Effectivement, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Et nous allons parler du tigre. Alors, on a pu le voir dans ces images, il y a un tigre de couleur blanche, le tigre blanc, et le tigre du Bengale. Existe-t-il d'autres espèces de tigres? Alors, non, il n'y a qu'une seule espèce de tigre, donc d'accord. Panthera tigris. Okay. Et ensuite, on va dénombrer par contre 9 sous-espèces différentes, dont 3 malheureusement qui sont éteintes. Donc il en reste encore 6 sous-espèces. Exactement. Quelle est la différence entre le tigre blanc et le tigre du Bengale? Alors, il y a quelques petites différences, notamment à commencer bien sûr par la couleur de la robe et ensuite la taille. Les tigres blancs ont tendance à être plus grands. Par contre, il faut être bien clair là-dessus, un tigre blanc, c'est un tigre du Bengale. Ça, c'est important de le préciser. Notez-le bien, les enfants, un tigre blanc n'est pas une espèce différente du tigre du Bengale, donc le tigre, on va dire, jaune, rayé, qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de dessiner. Nous allons regarder, si tu le permets, tu connais le principe de cette émission, une première question, enfant. Pourquoi le tigre blanc est-il blanc? C'est une bonne question du coup. Donc effectivement, il est blanc, c'est une anomalie génétique. D'accord. Donc en fait, il y a un gène qui a muté, c'est un petit peu compliqué, donc on va essayer de faire simple. Au lieu de sortir orange, il sort blanc. Mais pourquoi ne sont-ils pas considérés comme des albinos? Parce que c'est pas la même mutation. L'albinisme est une mutation à part entière qui a des caractéristiques différentes. Un animal albino, c'est intégralement blanc et les yeux vont être généralement rouges parce qu'en fait, ils n'ont pas de coloration et c'est les vaisseaux sanguins qui ressortent, ce qui donne cette coloration un peu rose-rouge. Par contre, nos tigres donc c'est ce qu'on appelle le gène leucistique. Donc on a des couleurs dominantes qui sont encore présentes, dont notamment le noir. On voit que nos tigres ont toujours leurs rayures. Et les yeux sont pas rouges, ils sont clairs, soit gris, soit bleu. Mais alors, lorsqu'on voit le tigre de Sibérie, donc qui habite dans la neige, est-ce qu'il peut être blanc lui aussi ou pas du tout? Alors pas du tout pour le coup. Notre tigre de Sibérie est orange, la mutation leucistique n'apparaît que chez le tigre du Bengale. Où vit le tigre du Bengale? Alors, comme son nom l'indique, au Bengale, mais également au Bangladesh, en Birmanie et au Népal. Et le tigre blanc? Pareil. Exactement. Toujours pareil. Pareil, c'est le même animal. D'accord. Sont-ils menacés? Alors oui, ils sont menacés. Alors le tigre du Bengale, de manière générale, est menacé, il est considéré en danger. D'accord. Et en ce qui concerne le tigre blanc, il est considéré comme en danger ou est-ce que c'est une sous-espèce, donc il n'est pas considéré du tout? C'est pas du tout une sous-espèce, donc il n'est pas du tout considéré, sauf si on le prend dans la grande lignée du Bengale. Voilà. D'accord. Il faut savoir que dans le décompte des animaux, le tigre blanc rentre dans le compte des tigres du Bengale, vu que c'est un tigre du Bengale. De quoi se nourrissent-ils et comment fonctionne la chasse? C'est un carnivore, strict d'ailleurs, donc il ne mange que de la viande. Et la chasse est assez particulière, ce sont des animaux qui sont très puissants comme vous pouvez le voir, hein. Les pattes sont très imposantes. Oui. Et il va chasser tout simplement en fait en se tapissant, il va se cacher, attaquer ses proies généralement de dos, vraiment, très souvent de dos, très rarement de face. Et il va les prendre par surprise, soit vers l'arrière, soit sur le côté. Avec sa puissance, il charge, il déséquilibre la proie, la met à terre, et ensuite il la mord. Au niveau du cou, ce sont des zones sensibles pour tout le monde.
et du coup, il va mettre la proie à mort. Est-ce qu'ils rugissent comme le lion ou pas du tout? Oui, ils rugissent effectivement comme le lion. Il faut savoir que nos fauves ont un grand panel de sons, hein, très différent, et le rugissement est le plus caractéristique, en tout cas le plus entendu, puisqu'il s'entend sur 3 km de distance. Alors ce rugissement, il est faisable grâce à un os particulier qui, chez nos grands fauves, n'est pas tout à fait rigide, et du coup, c'est ce qui donne cette vibration. C'est pour ça qu'un chat, par exemple, n'est pas capable de rugir. Vit-il seul ou alors est-ce qu'il vit en groupe? Alors c'est un strict solitaire, donc il ne vit pas du tout en groupe ou en famille, il va vivre tout seul. Les mères peuvent être accompagnées des jeunes, généralement pendant 2 ans, mais ensuite chacun vit sa vie de son côté. Mais alors quelle est la période de reproduction? Il faut quand même qu'ils puissent se rencontrer. Alors tout se fait au printemps, c'est la période la plus propice à la reproduction parce qu'il y a énormément de nourriture et que c'est les beaux jours. Et donc à ce moment-là, les mâles et les femelles vont se rencontrer en s'appelant grâce à des vocalises particulières, dont une partie, le rugissement. D'accord. Et ensuite, ils font leur petite affaire et ils se séparent. Chacun retourne à sa vie. Combien de temps la maman garde-t-elle son petit dans son ventre? Alors, donc la durée de gestation, elle est en environ de 3 à 4 mois. Et combien de petits peut-elle avoir? 1, 2, c'est un mammifère, donc... Tout à fait, c'est un mammifère, donc on a une moyenne de 3 à 4 petits. D'accord. Mais on peut avoir jusqu'à un maximum de 7 petits. À la naissance, les petits suivent-ils leur maman ou restent plutôt tranquilles? Alors les petits ne peuvent pas suivre la mère les premiers jours puisque pendant une dizaine de jours, ils sont aveugles, donc complètement dépendants d'elle. Elle D'accord. ne va d'ailleurs pas les quitter. Elle va généralement les cacher, les mettre à l'abri, aller chasser et revenir si elle le peut avec la proie pour vraiment veiller sur eux. Ensuite, les petits vont ouvrir les yeux, vont commencer à être un peu moins pataux, à commencer à marcher, à se déplacer, et là, ils vont commencer à la suivre. Comment s'appelle le petit? Alors, il n'y a pas de nom officiel, hein, comme la plupart des animaux, mais il est courant d'entendre le mot tigreau utilisé pour des petits. C'est vrai que chez le lion, on parle du lionceau, donc c'est vrai. Et tigreau, c'est un personnage, donc je me suis dit, ça n'a rien à voir avec les deux. Rien à voir, effectivement. Avec une fourrure si belle, peuvent-ils se camoufler? Oui, tout à fait. Nous, on voit les choses avec notre vision humaine. Mais il faut savoir que le tigre, il n'a pas de raison particulière de se cacher de nous. Parce qu'à la base, on n'est pas une proie et on n'est pas un prédateur pour cet animal. D'accord. Donc, nous, on le voit orange. Mais il faut se mettre du point de vue de sa proie. C'est de elle qu'il va se cacher. Et sa proie, elle n'a pas la même vision que nous. Dans son œil, il n'y a que 2 récepteurs colorimétriques. Et du coup, elle ne voit que 2 couleurs. Et chez notre tigre, du coup, chez une proie, elle va le voir vert. Donc vert au milieu d'une jungle verte. Oui, mais alors du coup, le tigre blanc? Alors le tigre blanc, c'est plus compliqué justement. Donc c'est une mutation génétique, on en a parlé. Et par contre, lui sort blanc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais la nature est bien faite. Il est très visible par ses proies, mais par contre, pour compenser, il est plus gros et donc plus puissant. Quelle est la durée de vie? Ce sera d'ailleurs ma dernière question. Quelle est la durée de vie moyenne du tigre? Alors on est sur environ 25 ans d'espérance de vie. Merci beaucoup, Soleil. Et bien voilà les amis, l'ABCDR des animaux, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut !